recevoir donc Kerry, Sefiu, Grand Corps Malade, et M, et Stéphane évidemment, autour justement de ce thème d'Indigo. Je suis très heureuse, tu sais, je dis souvent, et c'est ce que je dirais dans mon édito tout à l'heure, que Stéphane c'est un peu, tu sais, l'imbécile qui n'était pas au courant que c'était impossible, et il l'a fait. Et c'est vrai que quand il m'a parlé de cette histoire, je me suis dit c'est formidable, et très vite en fait je lui ai présenté des gens même en Côte d'Ivoire, pour ouvrir Indigo en Côte d'Ivoire, etc. Donc j'ai essayé aussi de m'investir un petit peu à ma façon dans Indigo, donc je suis profondément touchée et émue de voir que voilà, ça voit le jour, enfin, en grand, avec plein de gens au bon toit qui soutiennent, voilà, et des gens qui viennent surtout de tous les univers, de tout univers confondu, vraiment c'est formidable. Donc longue vie à Indigo.